poursuivre avec la troisième artiste de cet après-midi, toujours dans l'équipe Coach Audrey Gagnon. Elle va nous interpréter une chanson de Patrick Bruel qui s'intitule « Casser la voix ». Accueillons de Longueville en France, Laetitia Corquidian. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer toute seule. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, envie de me casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je veux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je veux plus voir la vie des autres même en. Je suis pas là pour les sourires d'après-minuit. On m'en veut pas si ce soir j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Magnifique. Ça
Salut Laetitia. Coucou. Salut, comment vas-tu? Bien et toi? Ouais, super bien. Bon, fait que là, t'as eu le temps de prendre le repas? J'ai pas entendu. T'as eu le temps de prendre le repas de la soirée? Ah, non, mais on, après. On aura après? L'appétit après, ouais. Ah, ok. Bon. Ah, ça mange tard, tes Français, là, je crois. Ah, bah oui, bah oui. Bon, mais c'est là avec ton coach, Audrey. Merci. Allô? Salut, Audrey. En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller te rendre visite chez toi pour qu'on prenne un petit verre de vin ensemble. Ah, ben avec plaisir. Avec plaisir, quand tu veux. Écoute, à chaque fois, à chaque fois que tu chantes, tu me fais toujours le même effet. Des fois, il n'y a pas de mots qui expliquent qu'il y a quelque chose qui se passe. Probablement ton expérience de vie, parce que, tu sais, on a beau avoir la plus belle voix du monde, chanter le bottin téléphonique ou peu importe, des belles voix, ça restera toujours des belles voix, mais toi, il y a vraiment une émotion qui passe, il y a vraiment une expérience de vie. De scène, oui, mais ce qui vient le plus me toucher, je crois que c'est vraiment ton vécu à toi que tu es capable de nous partager. Tu sais de quoi tu parles. Il y a plein d'imperfections, plein, mais en même temps, c'est quoi, c'est vraiment ce que j'aime de toi, c'est que oui, à certains moments, au niveau de la rythmique, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ce que j'aime, je veux pas de perfection avec toi, Laetitia, c'est comme un amalgame d'émotions, d'affaires qui, des fois, qui sont un peu tout croche, mais c'est correct, parce que t'as quelque chose qui t'appartient juste à toi, que j'ai jamais pu voir ailleurs. Ça, c'est fort. Chaque fois, tu viens me chercher. J'ai des émotions, je vis quelque chose, je vis un moment. Je trouve que c'était la bonne chanson pour toi parce que, justement, c'était pas l'idée de bien chanter les notes ici, mais plutôt de se casser la voix avec ce que tu as réussi à faire à merveille. J'aime tout ce que tu es, en fait. Tout ce que tu nous livres à chaque fois, la personne que tu es, l'artiste que tu es. Et écoute, c'était une belle perfo, une très belle performance. J'avais peur, tu sais, suite à la première que tu nous avais fait là, avec l'autre chanson qui était assez incroyable, merci, qui m'avait fait pleurer. Mais je pense que pour cette fois-ci, avec cette chanson-là, tu as réussi à venir me chercher encore. Alors, bravo. Merci à toi, Audrey. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Audrey. On va poursuivre avec Coach Tamara. Coucou Laetitia. Coucou Tamara. Bravo pour ta prestation. Je te l'ai dit à chaque fois, mais je trouve que tu es vraiment une fantastique interprète. Tu as une qualité rare de raconter des histoires comme si c'est toi qui les avais écrites. Puis, ben ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, en fait. Puis, c'est toujours un plaisir de voir tes prestations à chaque fois. Il y a quelque chose que je voulais dire, là, j'ai oublié, j'espère que je vais le trouver avant la fin, mais c'est ça, je te trouve vraiment bonne, puis merde, j'ai vraiment beaucoup de dire quelque chose. Si je le trouve, je t'écris, mais... Ben, avec plaisir. Mais c'est ça, tu t'incarnes vraiment bien les chansons, t'es original, puis t'as pas, on peut pas t'imiter. Puis je trouve que tu as fait une belle évolution aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il reste un petit peu des soucis techniques au niveau de la rythmique puis des notes, mais vraiment moins que les autres fois, honnêtement. C'est comme ça m'a pas dérangé aujourd'hui. Je trouve qu'au début justement, c'était un petit peu on était un petit peu pas dans le rythme, mais on comprenait quand même l'histoire. Puis plus l'histoire avançait, plus on était dedans avec toi. Puis c'est comme cette chanson-là, en plus, on l'a entendu mille fois. Oui. C'est un danger de. Est-ce que. Non, t'as vraiment bien relevé le défi. C'était excellent. Bravo. Merci beaucoup, Tamara. Merci. Bon, merci, Tamara. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant de terminer? Ben, tout simplement, merci. Et voilà, avec là où je rejoins Tamara, c'est casser la voix. On l'a tellement entendu que je me suis dit, oula, on prend un risque. Mais au final, je pense que voilà, je l'ai fait aussi, je pense, un peu à ma manière. Et c'est peut-être pour ça que ça passe aussi, parce que je me la suis un petit peu plus appropriée. Et en tout cas, voilà, je voudrais vraiment remercier Audrey pour tous ses conseils et puis tous les coachs. Hein, merci. Et puis merci à toi, Eric, et bonne chance à tous les candidats, en tout cas. Merci, Lucas. Merci. On va parler plus tard. À bientôt. À bientôt.
bientôt, bye.